Information qui a circulé dans la haute société de la République dominicaine. Après que le président Abinader fin acheté produits que commerçants dominicains n'ont pas de bien temps déversé sous marché haïtien à cause de frontières qui fermées en raison de construction canal. Il y a une grosse réunion qui fait matin en République dominicaine sous Haïti. Dans la réunion, il y a les politiciens dominicains, les ultranationalistes dominicains et les commerçants dominicains. Ils ont décidé dans la réunion que puisque ils ont fait un pile cob avec Haïti, ils n'ont pas de rien pour qu'ils aient des frontières fermées pour un pile temps. Donc, ils ont décidé qu'ils ont relouvrir les frontières bientôt. Mais cependant, dans les produits qui ont déversé sur le marché haïtien, il y a mis arsenic là-dedans. Ça veut dire, dans la poule qui a consommé, dans les spaghetti qui a consommé, dans tout ça, Dominique qui a voué baou, il a dit dans la réunion, il y a mis arsenic là-dedans. Arsenic là, c'est un poison qui tue les gens lentement, dépendamment de la quantité ou consommée. Les cas tuent dans 2 ans, les cas tuent dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Ça, certain, c'est que au fur et à mesure que vous consommez arsenic, l'a accumulé tout côté dans le corps. Et l'a déclaré, pas de traitement pour vous, l'a tué quand même. Peuple haïtien, bataille ça, pas pitié. Et bataille ça, son bataille qui est juste liée. Peuple vaillant, pas qu'on perdit bataille. Mais cependant, pas jouer voisin, après ça, pour aller manger la caille.